אל תקרא הלכות, אלא הלכות. בשורות טובות רבותיי, aujourd'hui nous sommes le 4 dans le mois de Kislev et on va parler du quatrième enfant de Yaakov dans la paracha qu'il est né. Et Léa, elle dit Hapam hode et Hashem Alken kara shemo Yehuda. Pourquoi elle a été nommée Yehuda? Car Léa, elle a dit ça y est, c'est le moment de remercier Dieu. Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Talmud Brachot, dans la 7e page, si je me rappelle bien, il nous apprend quelque chose de merveilleux aujourd'hui. Il dit, toutes les générations, Dieu il a attendu. Qui est le premier pour remercier Dieu? Et c'était Léa. Et comme ça, elle a nommé son fils Yehuda. Ça veut dire quoi? Je remercie Dieu, j'ai pris plus que ma part. Parce que selon les 4 matriarches, chacun devait avoir 3 enfants pour compléter les 12 tribus. Et Léa, elle a eu 4 enfants déjà, c'est en plus. Mais si vous demandez quoi? Adam Arishon, Adam, il n'a jamais remercié. Avraham, Yitzhak, Noah, il a fait des sacrifices. Adam Arishon, il a fait le Mizmor, Shir Leyom, Shabbat, Tov Lehodot, la Hachem, 92. C'est le Mizmor qu'on chante tous les Shabbats. Merci Dieu, je te remercie. Alors comment Rabbi Shimon Bar Yochai dit dans le Gemara, la première à remercier Dieu, c'est Yehuda. Et c'est pour ça nous tous, le peuple juif, porte le nom de Yehuda. On ne s'appelle pas ni Adamique, et ni Noachique, et ni les enfants d'Abraham. On s'appelle Yehudi, vient de Yehuda. Quelle est la réponse? C'est le message du jour. Je crois que c'est une halakha aussi du jour. Hein. C'est vrai, ils ont remercié tous avant. Adam Arishon et Abraham a fait des sacrifices, et Noach, tout le monde. Mais la première à pas seulement remercier de temps en temps dans la journée, en faisant une prière, remercier non-stop chaque fois qu'elle appelle son fils. Elle a nommé son fils avec un nom merci. Une reconnaissance toute la journée. Qui était la première de le faire? Léa, pour nous apprendre quoi? Je suis juif, ça veut dire quoi? Je suis un reconnaissant. Depuis que je me lève, modé ani. Dieu, je te remercie. C'est pas normal que j'ai eu mon âme. C'est pas normal que je suis en bonne santé. Tout ça, c'est des bonus. Tout ça, on connaît en plus. Dans tous les peuples du monde, ça peut être normal. Dieu, il attend de nous, le peuple juif, de le remercier le plus possible par jour. Alors oui, à partir d'aujourd'hui, si chacun entre nous ne fait pas les brachot avant de manger, ou il ne fait pas la bracha après de sortir de toilette, eh ben, le minimum, c'est aujourd'hui de prendre sur nous, de allô, s'arrêter une minute, 30 secondes, merci que je peux manger. Il y en a qui ne mangent pas, on a vu hier, ils mangent par des tuyaux. Merci que tout a bien fonctionné dans les toilettes. Merci non-stop, comme elle dit la Gemara, minimum 100 fois par jour. Et oui, le Shulchan Aruch, il termine avec une halakha qu'on a déjà partagée plusieurs fois. Dans le siman Resh Lamed, en hébreu, c'est ral. En français, je ne sais pas si ça se dit, ne pas râler. Qu'est-ce qu'il dit là-bas, le Shulchan Aruch? Hayav Adam Lomar, Kol De'avid Rachamana Letavavid. C'est la seule halakha qu'il en araméen. Ça veut dire quoi en hébreu, en français? Chaque personne, chaque juif, doit se rappeler de cet événement dans la paracha et de remercier Dieu à chaque instant et de comprendre que tout est pour notre bien. Alors si on le fait à partir d'aujourd'hui, on a compris le message de la vie, la mission de peuple juif, et ce merci-là, Bezrat Hashem, va nous amener à nous tous que des raisons pour dire merci toute la journée, toute notre vie. Amen. 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 Amen.